Nous sommes déjà à la moitié de nos vacances en famille. Oui, ça fait du bien de se retrouver. Aujourd'hui, une recette avec un fruit que j'adore tout particulièrement. Oui, tu m'avais raconté que chez le tonton de Nouvelle-Calédonie, l'aspect de la coco était différent. Oui, quand on les ouvre chez nous, le blanc est sec. Là-bas, il est tout moelleux. Et le tonton te les cueillit direct sur son cocotier. Exactement. Découvrons ensemble la recette du jour avec le jeu de mercredi. On se lave les mains et... Direction cuisine! Pour la ganache, il faudra 200 g de chocolat noir en morceaux, 140 g de crème liquide entière et 5 biscuits spéculoos. Dans le bol, je mets le chocolat et je râpe 10 secondes, vitesse 10. J'ajoute la crème liquide et les spéculoos. Je chauffe 5 minutes, 90 degrés, vitesse 2. Puis, je mixe 5 secondes, vitesse 5. Je répartis la ganache dans les verrines. Pour la crème, il faudra 4 feuilles de gélatine, un récipient d'eau froide, 10 biscuits spéculoos, 250 g de crème liquide, 150 g de lait, 50 g de noix de coco râpée et 50 g de sucre en poudre. Je mets les feuilles de gélatine à ramollir dans le récipient d'eau froide. Je mets les biscuits dans le bol et mixe 5 secondes vitesse 5, puis je réserve. Dans le bol, je mets la crème, le lait, la noix de coco et le sucre. Puis je chauffe 5 minutes, 90 degrés, vitesse 2. J'ajoute la gélatine bien égouttée et je mélange 10 secondes, vitesse 3. Lorsque ça a tiédi, je répartis l'appareil sur la ganache dans les verrines. Ça part au frigo minimum une heure et au moment de servir, je saupoudrerai de brisures de spéculoos. Simple. Et efficace. Surtout délicieux. Je vous conseille de sortir les verrines 20 minutes avant la dégustation. Elles seront plus crémeuses. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, nous partons à la conquête de nouvelles recettes. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.